vous entrez dans l'empire de la 3D en temps réel. Un monde où l'on ne parle plus que de réalisme, d'arcade et de style de vie. Un monde où les objets et les personnages prennent forme. Un monde où les... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où on parlait de la vidéo promotionnelle de la PlayStation. Qu'on l'a écouté en entière, puisque la vidéo, là, beaucoup de gens en parlaient effectivement, mais... Parfois c'est la version tronquée, on a la version du début jusqu'à la fin. Pour voir un peu ce qui se disait à l'époque. Et déjà, pour rebondir sur la première phrase. Donc des fois il y a des choses qui ne veulent pas qu'ils prennent forme, notamment les lemmings, que je trouve totalement dégueulasse. Allez, c'est parti. Les êtres vivants sont libres de leur mouvement. Vous entrez dans le monde PlayStation. Le réalisme apporté par la PlayStation, c'est la puissance de ces images issues de la technologie 32 bits de Sony. Le réalisme... Voilà ce que ça donne un écran CRT à l'époque, hein, en passage, vous voyez le taux de pixelisation. Sachant qu'encore une fois, la caméra a trop capturé la grille, comme quoi il y avait le problème déjà à l'époque. Mais il faut savoir que l'œil ne voit pas autant pixelisé que ça à distance. Hein. C'est la vitesse que l'on ressent au cours d'une partie de Ridge Racer. De Wipeout. Alors le Wipeout, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont accéléré la vidéo. C'est l'angoisse des dédales de Kid X Blood. C'est encore le vertige que procurent les sauts de Jumping Flash. D'ailleurs, Jumping Flash, on en parlera après. Je me dis que ça doit être un jeu pas mal à jouer en VR. Parce que un point de vue comme ça va super bien au casque. Et à un avis, ça pourrait être marrant. Le réalisme, c'est aussi la perfection des bruitages et effets spéciaux dont est capable la PlayStation. Écoutez l'impact des bolides qui s'entrechoquent dans Destruction Derby. Vous avez entendu les impacts, vous? Moi, j'ai rien entendu. Puissance des coups portés par les combattants de Battle Arena Toshinden. Ça encore, ça m'a fait toujours rigoler à l'époque. Quand tu veux montrer une vidéo qui montre un truc qui impacte, quelque chose qui est un peu violent, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est impressionnant, tu mets pas une voix de gamine, tu prends pas un extrait qu'une voix de gamine, tu prends un extrait avec un mec limite musclé, gros, qui fait bah, 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 avec des gros impacts. Là, tu mets pas ya 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 ya. Secours. Où le son de ce dérapage? Ce dérapage, vous allez vous souvenir longtemps, puisque c'est le même bruit que vous allez entendre en boucle. C'est un petit peu comme dans Gran Turismo. Une fois que vous avez entendu le bruit du dérapage dans le 1, vous l'avez dans le 2. Une fois que vous entendez celui du 3, vous l'avez jusqu'au Gran Turismo 5 ou 6. Le réalisme, c'est encore l'utilisation de la full motion vidéo dans Crazy Ivan. Ça veut rien dire. Une vidéo, ça bouge, donc oui, elle est tout le temps en mouvement. Enfin, voilà. We go live to join the Russian super soldier they're calling Crazy Ivan. Commander Popovich. Yo, man. Petit aparté là-dessus, c'était vachement la mode dans les années 90, ça, surtout quand il y a eu le support CD, justement, qui permettait d'avoir un peu plus de mémoire dans les jeux, et du coup, ils se sont fait plaisir, ils se sont dit, ouais, on va pouvoir foutre des vidéos partout, même des jeux carrément où c'est une vidéo qui tourne derrière, et je trouve que les présentations de l'époque, souvent, c'était des budgets pas très élevés encore, hein, dans le monde du jeu vidéo, on n'était pas encore avec des budgets actuels, comme ceux actuellement, et honnêtement, je trouvais que ça faisait super kitsch. Puis là, les présentateurs, je ne sais même pas en fait de quoi ils parlent. Hein. Bon, effectivement, la scène est peut-être tirée d'un truc plus sérieux. ça vous fait penser à un truc sérieux, ça, sans déconner. J'ai l'impression d'avoir un mecha fuckier, quoi. Cette avancée technologique spectaculaire est rendue possible grâce au support CD qu'utilisent tous les jeux PlayStation. Voilà, comme la 3DO, comme la Sega Saturn, comme la CDI Philips, comme les micro-ordinateurs. On va dire que c'était pas la seule à faire ça. Par contre, le full motion vidéo, bizarrement, la Saturn avait du mal, donc souvent c'était des petits des vidéos qui étaient pas en plein écran, elles étaient en format un peu plus réduit, on va dire un quart ou deux tiers de l'écran. Et là, la PlayStation, elle avait pas de problème à ce niveau-là. Je vous ai mis la techno. Lorsque l'on évoque la PlayStation, on ne peut s'empêcher de parler arcade. Les sensations que vous avez connues dans les salles de jeu sont désormais comparables sur PlayStation. Combien d'entre vous ont passé des heures sur le mythique circuit de Ridge Racer?
sur Air Combat, cette simulation aérienne signée Namco. Alors, comparable, je viens de comprendre un peu le phrase réelle. En fait, il dit que bah, vous avez les mêmes sensations en fait, chez vous qu'en arcade. Mais concrètement, les jeux présentés là, en arcade, à part peut-être un et encore, je crois que c'est Ridge Racer, ou peut-être, ouais, à la limite, aussi Ace Combat, effectivement. C'est pas des gros jeux empruntés à l'arcade. Et puis quand on pense à l'arcade à l'époque, si vous demandez aux gens en 95 ou 94, tu penses à quel éditeur quand tu penses arcade, il va jamais te dire Sony, hein. Il va te sortir Sega, il va te sortir quoi, il va sortir tout le truc de SNK, il va te sortir de Namco, il va te sortir Capcom, mais ou Konami, mais il va jamais te sortir ça. Sur Cyber Slave, le jeu de cache-cache le plus mortel qui ait jamais été volé à l'arcade par la PlayStation. Et ce n'est pas fini, Tekken et Mortal Kombat 3 arrivent sur PlayStation. Attendez-vous à tout savoir sur eux avant la fin de l'année. Le monde de l'arcade n'a pas fini de vous surprendre sur PlayStation. La PlayStation est un style de vie, une manière de s'exploser. De faire ce qu'on a envie au moment où l'on en a envie. Bah non, je suis désolé, absolument pas, enfin ça se rapporte pour n'importe quelle console, mais en gros si t'es une PlayStation, tu fous plus les pieds dehors, hein. Ça n'a vraiment aucun sens, non mais vraiment, enfin je veux dire, tu peux pas t'amuser à sortir une vidéo pour une console et en montrant tout ce que tu peux faire derrière, dehors, que tu ne peux pas faire dans une console, parce que oui, on peut me dire, ouais mais en gros, tu peux faire genre, je joue au basket sur ta console, tu peux jouer au foot sur ta console. Ouais, mais non, mais il faut pas le présenter comme ça, quoi. C'est pas possible. En vrai, une console à l'époque, c'était une époque encore des années 90, au même début 2000, c'était pareil. Mais en gros, vous passez votre vie dans une chambre, les parents, et vous disiez, mais va jouer dehors, quoi. Au bout d'un moment, la vraie vie, c'est dehors, hein, c'est pas devant ton écran. Et honnêtement, c'était pas vendeur pour quelqu'un de dire, j'ai joué à la console la journée. Enfin, je veux dire. Les gens ils pensaient que quand t'étais jeune, bah, en gros, t'allais faire du foot avec tes copains, t'allais au cinéma, t'allais en boîte, etc. Mais tu restais pas dans ton écran de PC. Donc ce style de vie-là, c'est pas que la PlayStation que t'allais avoir ça. Au contraire, la PlayStation, à part te renfermer, ça apportait pas grand-chose. De dire tout et à tout le monde. La PlayStation va vous mettre la tête à l'envers, vous remuer les tripes, révéler en vous un sentiment de puissance encore méconnu, des sensations vraies, grâce à ses capacités de CD. Bah, à la limite, à part faire des crises d'épilepsie sur des jeux ultra mal faits des débuts de la console, oui, bien sûr, ouais, à mon avis, ouais, vous allez avoir la vie autrement. Audio, la PlayStation permet de crier sa passion. Alors, les CD audio, oui, donc effectivement, vous pouvez lire les CD audio sur la console au démarrage, hein, il détectait le CD, ça mettait le BIOS et vous pouvez écouter de la musique. Bon, à l'époque, effectivement, c'est un peu comme à l'époque de la PlayStation 2 pour le DVD, hein, ça servait un peu platine, mais en vrai, les gens avaient tous un lecteur, une platine CD-ROM, quoi. Enfin, un vrai lecteur avec deux grosses enceintes et chacun mettait ses CD. Donc ça servait à rien, en fait, la PlayStation pour ça. Les gens utilisaient la PlayStation pour jouer, pas forcément pour lire des CD. Pour la musique. Alors là, c'est Jamiroquai. Donc on va vite passer à la suite parce que j'ai pas envie de faire copy strike. Les formidables capacités de la PlayStation permettent aux créateurs de jeux de laisser libre cours à leur imagination et à leurs rêves les plus fous, comme de se trouver à bord d'un lapin mécanique à explorer un monde en 3D. Ouais, ou un simulateur de drogue aussi. Jumping Flash en est la parfaite illustration. Il est le premier jeu de plateforme en 3D jamais créé sur console de jeux vidéo. Alors, cette phrase-là... Elle est très très particulière puisque en fait elle vous fait croire quelque chose mais en fait il faut lire entre les lignes. Le premier jeu de plateforme tridimensionnelle avec les caméras qui changent, c'était déjà le cas en 90, c'était sorti sur je crois sur Atari ou sur Amiga, ça existait déjà. Hein. Voilà, donc on parle de 90, là on est en 95 apparemment au niveau de la vidéo, donc c'est faux. Est-ce qu'on peut considérer le fait qu'ils disent console du coup, bah on retire les micro-ordinateurs? Pourquoi pas. Mais sachant qu'en 93, il y a la C32 qui, du coup, pouvait récupérer la compatibilité avec des jeux Amiga, je pense que... un peu bullshit.
J'adore la musique d'ailleurs du jeu. Par contre, encore un truc dommage où on sent que c'est des jeux un peu. On sort de l'arcade, hein, vraiment, au début de la 3D, tout ça. Enfin. Comment dire, ce système de temps limite à chaque fois dans un niveau, c'était un truc qui était. Enfin, en tout cas, moi je le trouvais insupportable de me dire, oh non, faut faire ce niveau en tant de secondes, tant de minutes, alors que le niveau, t'as envie de l'explorer, t'as envie de faire d'autres trucs, t'as pas forcément envie d'être pris par le temps. La prise par le temps des niveaux, c'est à l'époque quand t'es sur arcade, où effectivement t'as une pièce où tu payes à chaque fois, du coup, ça force le mec à aller vite ou de payer en boucle. Là, une fois que t'as acheté un jeu, t'as plus besoin d'utiliser le temps. C'était pareil pour les Mario, hein, en vrai, hein, les Mario sur Super Nintendo, etc. J'ai jamais compris le principe d'avoir un temps limite. Quoi, ça sert d'avoir un temps limite dans un niveau? Qu'est-ce qui va se passer de plus, le fait de mettre 2 heures à finir ton niveau ou pas? Enfin, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. La créativité dont a fait preuve Takara pour l'armement de ses guerriers dans Battle Arena Toshinden dépasse l'entendement. Admirez. Je crois que ça a déjà été dit. Dans le coup, l'entendement, évidemment, est très connu, hein, merci Benzaï. Mais, ok, à quel niveau tu as une imagination dans le fait de dire, bah, tes combats, bah, ils vont avoir des épées, des sabres, des lances, des piques. Ouais, bon, allez, pourquoi pas. Bon, au moins, le jeu est joli. En vrai, pour l'époque, c'est plutôt pas mal fait, hein, on n'en parle pas trop, mais le jeu était très très beau. Par contre, pour y avoir joué sur la son démo, le CD démo justement, il y avait le jeu. Ultra dur, hein. En vrai, on dirait pas comme ça. Vous jouez à Tekken, vous sortez là-dessus. Vous jouez à Tekken, vous êtes bon, vous allez sur ce jeu, c'est trop dur, hein. Vraiment trop dur. Hey, Final Fantasy. La richesse du scénario de Killing the Blood est digne des plus grands thrillers. En l'an 2038, un agent secret disparaît au cours de sa mission d'infiltration d'un établissement de recherche classé top secret. Votre unique but désormais, trouver votre compagnon d'armes et terminer sa mission. Alors c'est un type de déplacement. On est encore dans les styles un petit peu à la Doom, à Wolfenstein au niveau de la 3D. C'est très couloir, et beaucoup de couloirs. Bon, le jeu apparemment était pas super bon non plus, et puis honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ce jeu, hormis dans la vidéo, honnêtement. Et en plus, c'est la version japonaise. Ouais, le switch entre bien fait, moins bien fait, bien fait, moins bien fait. Non, non, mais c'est pas toi qui tire, on dira jamais. A choisi de créer des courses où l'on casse tout pour le seul plaisir de casser et de gagner. À vous de remporter le Destruction Derby. Bon, Destruction Derby, c'était quand même très très fun. Faut pas se mentir, pour l'époque, c'était vraiment génial. Enfin, surtout le 2, pour moi le 2, c'était le paroxysme du truc fun et au niveau de ce style de jeu. Par contre, bah, je suis désolé, hein, Sony, mais le jeu est sorti sur Saturn aussi. Et je crois même qu'il est sorti sur ordinateur. Oui, il est sorti sur ordinateur. La seule différence, c'est que la version Sony avait un effet de transparence qui était mieux géré, puisque évidemment ils n'avaient pas fait l'effort d'utiliser les deux processeurs de la Saturn. Mais bref, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que c'est un très bon jeu. Limite, là le bruit du crissement était mieux que celui qu'on avait au niveau des dégâts, des soi-disant bruits de collision des voitures juste avant. Combat de Namco. Jamais mission aérienne n'a été aussi dangereuse et les vols à basse altitude aussi criants de vérité. Non. Non. Alors là, non. Si vous avez une fois votre vie joué à Air Combat, hein, sur PlayStation, même sur arcade, c'est incroyable, vous avez joué sur arcade. Je crois que c'est le jeu d'avion avec les décors, en tout cas les sols, justement les Puis on se rapprochait du sol. C'est ultra moche. Mais moche! J'ai jamais vu un truc aussi moche. Même à 2000 mètres de haut,
Dans le jeu, hein, parce qu'on pourrait dire, bon, bah oui, effectivement, t'es très proche du sol, la console, blablabla. Ouais, c'est ultra moche. Ce qu'ils disent là, c'est vraiment une pure connerie, c'est dégueulasse. C'est parti. Ah, les enculés. Ah, les enfoirés. Et là, ils nous ont mis, en gros, la version. Bah, en fait, la capture que l'on a juste avant, c'est l'introduction d'Air Combat. Donc, c'est du pré-rendu, hein, et là, on arrive dans la vidéo du jeu. Et on peut voir que c'est pas du tout aussi bien fait. Et ils abusent totalement des images, quoi. Voilà, ça, c'est les images du jeu. Ah, les musiques sont très bien par contre, les musiques d'Air Combat sont excellentes. Voilà, on part sur du pré-rendu. Regardez les décors, même dans la vidéo, même dans le pré-rendu, regardez-moi ces décors. C'est. Je pense que l'île là sur laquelle ils sont en train de se fighter les deux avions, en vrai, si je compte les polygones, il devait y en avoir 30, hein. Il devait y avoir 30 polygones, quoi. C'est juste un truc ultra cubique. Cubique avec une texture dessus, hein. Mais vraiment, il n'y a rien d'autre. Tu le sais! Enfin, il dit pas ça, mais. Bon, les avions étaient assez bien réalisés, ça allait. Les artistes, car on peut les appeler ainsi, qui ont développé Wipeout, sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes leur plus grande source de talent pour donner à cette course spatiale un réalisme et une profondeur inimaginables auparavant. La preuve. Alors, Wipeout, c'est vrai que bon, tout le monde disait F-Zero, gna. En attendant, la version 64 n'était pas sortie, eux ils ont fait une version 3D, et en plus, le jeu était magnifique. Pour l'époque, le jeu est magnifique, c'est fluide, les musiques sont géniales, et je suis désolé encore, il est sorti sur Saturne. Mais en revanche, la version PlayStation est bien mieux que la version Saturne, parce que la version Saturne, même problème que pour Wipeout, hein. Ils n'ont pas fait l'effort de vraiment développer avec les capacités de la console, du coup le jeu était moins bien, avec une framerate pas forcément top, mais une distance d'affichage qui était un poil plus élevée. Et aucune transparence. Par contre, voilà, donc pour rester dans le cohérent, la Wipeout à l'époque c'était vraiment excellent, très bon jeu. Et bah, chaque Wipeout qui a suivi était quasiment meilleur que le précédent. Et ça a claqué. Vraiment pour l'époque, je me souviens avoir joué aux démos, c'était incroyable, vraiment incroyable. Juste pour le plaisir, voyons ensemble un parcours sans faute de Ridge Racer. Allez, fais-moi rêver. J'ai ça, très beau jeu d'ailleurs à l'époque aussi. Bon, maintenant ça fait sourire, mais. En vrai, ça va. C'était un très beau jeu. Puis c'était très fun. Par contre, ils ont pris un mode où vous voyez, il est à fond, 158 km/h. Avec la PlayStation, et vous n'avez pas fini d'entendre parler du réalisme qu'elle apporte. Alors, ces camions-là, en vrai, je suis allé une fois dans un camion quand j'étais gamin, justement. Bon, pas forcément 95, mais peut-être 97 ou 98. En vrai, c'était excellent. Hein. C'était excellent. Carrément, amener un camion pour faire jouer enfin, surtout des jeunes, hein, mais bon, il y a aussi des adultes, pour tester des jeux, etc. Et paradoxalement, le camion dans lequel j'étais, c'était pas un camion PlayStation, c'était un camion Nintendo. Voilà, donc j'ai joué, je crois que c'est encore plus vieux. Pokémon et Perfect Dark 99, peut-être. Ça, c'est plus du tout, bien sûr, maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment cool d'avoir ça. Frisson qu'elle procure et de la passion qu'elle déchaîne. Au fait, quels sont vos jeux préférés, messieurs? Jumping Flash. Mon jeu préféré sur PlayStation, c'est Ridge Racer. Et vous, monsieur de Sony? Mon jeu préféré doit être Tekken. Alors, le deuxième, il dit, hein, je sais pas qui c'est le deuxième, il dit Just. Je sais pas de quel jeu il parle. Mais si par hasard c'est Joust, Joust, c'est juste en fait une compilation PlayStation de jeux d'arcade, dont qui est en fait un jeu sorti sur les consoles de l'année 80, un jeu de shoot galactique, je crois. Et du coup, je sais pas du tout de quel jeu il parle. Et surtout, en plus, vous allez voir à la fin. À la fin des vidéos, quand il monte les jeux présentés, il n'en fait même pas partie. Et lui, il dit que c'était Ken. Bon, pourquoi pas. Et si vous deviez résumer la PlayStation en une phrase? Les jeux les plus impressionnants.
Les jeux, les vies pourries. Bah, y'a pas à dire qu'en même temps. En même temps, c'est le mec qui gère PlayStation, il a pas à dire que c'est de la merde. La PlayStation est là, et pour longtemps. Là, je vais faire un petit aparté avec ce qu'a dit Benzaï à l'époque. Et pour 5 ans. Ouais, enfin, la PlayStation, en attendant, elle est toujours là. Même s'il parle évidemment lui de la première, mais bon, depuis 94 jusqu'à maintenant, la PlayStation existe toujours. Alors là, ils montrent des jeux, mais je sais pas lesquels c'est. Voilà, il y a un jeu de football. Lemmings, Aggressor, Air Combat. Ken. Ah, il y aura peut-être les musiques à la fin. Ça serait intéressant d'ailleurs de les retrouver. J'aime beaucoup les musiques par contre de la vidéo. En vrai, elles sont pas mal. Voilà, Killing the Blood, Crazy Ivan, Tekken, Cyber Slade. Assault Rig. Et là, effectivement, on a le nom des chansons. En vrai, il y a moyen que je les récupère. Parce que je les trouve génial. Bon. La vidéo dure 9 minutes. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais c'est Didou. C'est ça le premier. Je me disais, il me fait penser à quelqu'un. El Didou, testeur de Player One. Je me disais, mec, les lunettes, le tout premier, c'est Didou. Groupe Primagaz. Alors ça, par contre, ça me fait rire parce que... Dans la boîte où je travaille, on a un client qui s'appelle Primagaz aussi. Et tous les comédiens volontaires et involontaires qui ont la gentillesse de sourire. Magnifique. Et Emmanuel Valls est même présent dans la vidéo. Donc, 9 minutes de vidéo de présentation. On fera peut-être la scène de la Super Nintendo et même d'autres. Un peu plus obscures, pourquoi pas. Sur les démos techniques, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est de la promo, donc évidemment, on en fait beaucoup. Bon, c'est moins violent en vrai que je pensais par rapport à la vidéo de Benzaï. Je sais qu'il y en a une avec Bruno Salomon de vidéo. Franchement, on pourrait se la faire. On verra. Par contre, si on la fait, je sais pas si on se la fera en live ou si je la ferai en aparté. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était pas très original, mais bon, je me suis dit, tiens, je tombais là-dessus. Pourquoi pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Thank you.